Tikana prophétiser na bine. Bista balinga bazo kufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ekopoma yo te. Eloko pomi mama ekopoma yo te. Yaye. Les jours de chaque chrétien vont savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est qui parle en poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe à partir de la commission intouchable, la commission invisible, Nayoko Kotsayo na ligne ya batu ba esapa makambo ya tenye wana. You are good and your mercy forever endure. Oh Lord, you are good. Hallelujah. You are good and your mercy forever adore. Oh Seigneur, tu es bon. Yes, Lord. Tu es bon, ton amour n'a pas de fin. Oh Seigneur, tu es bon. Jésus, tu es bon. Alléluia. Tu es bon, ton amour n'a pas de fin. Jésus, tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Bien-aimés, je vous bénisse au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Et je bénis Dieu pour ce privilège encore d'être là où vous êtes. Et que mon Dieu vous bénisse comme Bozo Landa na minute oyo. Et que mon Dieu vous bénisse tel que vous me suivez en ce moment. Bien-aimés, je ne vais pas prendre trop de temps. Ngonga tokomi eza ngonga ya réveil pona ko réveiller mémoire pona ko lamusa mémoire ya bato po bayeba ke toza na saison na tango yesuka. Et le temps que nous avons atteint, c'est un temps durant lequel nous devons éveiller nombreuses personnes car nous sommes au temps de la fin. Et eza ngonga biso bana nzambe esengeli to sambela mingi plus qu'auparavant. Et c'est le moment où les enfants de Dieu, nous devons beaucoup prier plus qu'auparavant. Les événements de fin du temps. Nous avions commencé à parler na oetali makambo ko salema na tango ya suka. Et verset biblique principal tozotanga eza Éphésiens chapitre 6. Et principalement, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Après, la parole vivante pour la bonne compréhension. Éphésiens, chapitre 6, verset 12, version Darby. Nous lisons au nom de Jésus. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle des méchancetés qui est dans les lieux célestes. Version Lingala, Éphésiens 6, 12. Pambate, bisoto bundakana batote, kasina milimo oyo babengaka, bakodi ya likolo na se. Nzokande, yango ezali kaka bakodi ya mokili oyo ya molili. Tobundaka na milimo mabe oyo, etambolaka epai nyonso lokola mipepe. Alléluia. Na sepeli na kolinga lisusu français abanda li version Darby moko moko meno na kolanda. Version Darby toujours. Verset 12 Éphésiens chapitre 6. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. Alobi car notre lutte n'est pas contre la chair, le sang et la chair, hein? Mais contre les principautés. Mais contre les principautés. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les dominateurs de ces ténèbres. Contre les dominateurs de ces ténèbres. Contre la puissance spirituelle des méchancetés. Contre la puissance spirituelle des méchancetés. Qui est dans les lieux célestes. Qui est dans les lieux célestes. Alléluia. Kaka denge liloba zambe alobi ezak bongo. Maintenant yoka version lingala. Lingala version. Parce que nous parlons des les événements de fin du temps. Alléluia. Lingala verset 12. Pambate biso tobundakana batote. Kasina milimo oyo babengaka bakonzi ya likolo na se. Na milimo oyo babengi bakonzi ya likolo na se. Mais n'oublie pas milimo akoko sale loko mokote awa na se sans que akote la nzoto ya moto. N'oublie pas qu'un esprit ne peut pas agir ici sur terre sans pour autant prendre possession d'un corps humain. Dieu est esprit selon Jean 4 verset 24 mais posamba ye na mokili. Asala, akangola, a sauver biso, Yesu Masia, a kotaki nanzoto ya mutu, a botami ataki mutu. C'est vrai, Dieu est esprit, mais pour venir œuvrer ici sur terre, il fallait qu'il puisse revêtir un corps humain. So, awa na mokili oyo, toute activité, toute mission ya ba esprit, il faut bakota esalema na nzela ya mutu. Et toute activité spirituelle ici sur terre doit passer par un canal humain. Et c'est ce que nous voyons. Continuez. Suite. Zoka, yango ezalika kabakonzi ya mokili oyo ya molili. Bakonzi ya mokili oyo ya molili. Baza bakozme baza na monde ya ténèbres. Ce sont des autorités mais dans le monde de ténèbres. Tobundaka na milimo mabe. Oyo etambola kabipa inyon soloko la mi pepe. Oreki, to bundaga na milimo mabe, oyo ezo tambola bipa inyon soloko la mi pepe. Alléluia. Amen. Wana Bible alobi ango son komachemo. Maintenant tuling tuyo kasiko version mususu oto bengi parole vivante. Éphésiens chapitre 6 verset 12 version parole vivante. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles. Okay. Contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles. Contre les dictateurs invisibles. Baza ba dictateur. Mais baza invisible. Et les lots au komona. Essayez bandi komona. Parce que tango ya suka ya otokomi. Yagona Matthieu 13 tukotanga. Yesu abimise parapole. ezotalisha biso lolengi ni royaume ya zambe lolengi ni la fin du monde na parabole wana ndenge akozonga okay etalisha biso batu oyo tozotanga semence mabe nini bakotisi na mokili continue contre les dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde. Oyoki dictateur invisible basa batmoko invisible mais bangonde bazo contrôler et régir mokili tozali lelo. Il faut tout comprendre biloko. Continuez. Qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde contre la légion des esprits démoniaques dans la sphère surnaturelle, véritable agent du quartier général du mal. Babengi mango véritable agent du quartier général du mal. Oyoki quartier général du mal akosala lokomoko ya malamute. Yoso akosala ezande malheur pona batu. Le quartier général du mal ne peut pas produire du bien pour l'humanité, rien que le mal pour l'humanité. J'ai dit que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Cette matière, l'événement du fin du temps, et ça pour nous faire réfléchir, surtout yo moi en Zambie, au bongi sans elana yo, au nettoyer bilamba na yo, au nettoyer esprit na yo, mutema na yo, to zonga nanzela. Et ce message, c'est seulement pour nous amener à réfléchir, de revenir sur le droit chemin. Parce que Éphésiens 5, verset 14, Alobi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre la mort. Et dans Éphésiens 5, 14, Alobi, parce que les jours sont mauvais. Babengi Batu, quartier général du mal. Est-ce que Balobi, quartier général, pas du bonheur, mais du malheur, mal. Et le konini fruit na bango, c'est toujours de mal, de malheur. Ezali esika balamba kapenza makambo ya mabe, e bango babotaka ka babuma ya mabe pona mokili. Voilà pourquoi yonso komi komona lelo et bandi lelo te depuis des années bangonde kaka baza derrière ya bitumba, bangonde baza derrière banzala, bangonde baza derrière ya ba épidémie ya maladie yonso na oyo tozomona lelo. Tout ça ce sont des signes selon mokozi Yesu atalisi biso na Matthieu chapitre 24 à partir de verset 1 tina suka ke basin oyo nde kotalisa kozonga na ngai et suka ya mokili. Et voilà pourquoi nous voyons toutes ces choses. Elles n'ont pas commencé aujourd'hui. Elles ont été élaborées depuis des années. Et même le maître Jésus nous l'a dit dans Matthieu 24, qui montre les signes de son retour et de la fin des temps. Il avait déjà tout vu d'avance. Parce que Zambe, un Dieu omniscient qui connaît tout. Et la Bible dit ceci. Notre Dieu connaître Azana connaissance ya suka ya makambo kuuta na ebandeli. Notre Dieu connaît la fin des choses dès son commencement. Mais il n'a pas l'auteur. Kasi yendete mtazo sala ya Mungu. Mission ya Satana c'est de voler, de détruire et de tuer. Mais moi, Jean 10:10, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Soso ito nino loba. Ye aza quartier général de la ville. Du bonheur, mais bango baza quartier général de mal, de malheur. Et dans le livre de Jean, alobina biso satanande ayaka koiba ko bebisa pe ko boma kasi ngai Yesu ne ko bepesa bino bomoi pe bomoi ya bufuluki yende azali esika oyo makambo ya malamu elamba makaka si satanande ya makambo mabe basi balambi makambo oyo banakala na ba laboratoire na bango parce que nous sommes déjà infiltrés. Baras moko, ba semence moko, ya Lucifer, ya serpent, ba kotina mokili, et bangonde, ba komina pouvoir, ya autorité lelo kokoza mokili, et voilà pourquoi, ba bengbango quartier général du mal, oyo, nyonso, produit fruit na bango, ce n'est que seulement des malheurs. Et ces choses ont été élaborées depuis très longtemps et ils en sont la base. Pourquoi leur quartier général? C'est pour produire ce qui est du malheur. Babenyango, des puissances occultes, des des organisations spirituelles sataniques qui voulaient contrôler et régir notre monde ici, sur la terre. Yango, on doit être avisé en tant que Bananzambe Yango, alobi okoyeba solo solo ekokangola yelo, alobi mon peuple à moi, parce que basala ka richesse te, baluka ka connaissance te, ils sont péris, détruits. Et belé natango asuka, bakozala détruit parce que bayebi ni à gauche ni droite. Il faut y avoir certaines choses. Bien aimé, sans te tromper, il y a la guerre entre monde de ténèbres et monde de lumière. Monde de ténèbres, monde de lumière, royaume de lumière qui appartenait à Jésus Christ de Nazareth. Et Yesu abeti ces paraboles dans Matthieu 13 à partir de verset 24 à 30 et 36 à 42. Abeti yango pona kolakisa ngonga to komi oyo. Depuis nazo landa batu mutu na mutazo loba makamuna ye mais lokuma ko nazo ibsayo ba prophétique biblique. Oyo nanu salamate jamais. Ozo talisa fin du monde et komi koko kisama na tango na biso. Lelo surtout eloko oyo bazo chena loboko oyo Bible luba ko chena loboko na fond ezateke ba komango boye me yango wana tout cela ezotalisa biso prenza ngunga ya suka eye pembeni. Et Jésus a donné une parabole dans Matthieu 13 et aujourd'hui nous voyons tous les signes, tous les événements prophétiques de la Bible s'accomplir aujourd'hui. Même la marque de la bête, c'est ce qui est déjà là à la porte. Et cela nous prouve que la sémence du serpent est déjà dans notre monde. Mais beaucoup d'or. Éphésiens 5, 14 à l'obé. Réveille-toi, toi qui dors. Voilà pourquoi Éphésiens 5, 14 dit la mouka yo yo lali. Relève-toi d'entre les morts. Parce que l'humanité est en danger, il y a extinction totale, élimination totale. Mais Jésus a dit, je vais abréger les jours. À cause des élus. Sinon, tendance d'ingezo kende. Sinon, cette tendance. L'humanité sera effacée. Alléluia. Amen. Yango, leur mission selon le Seigneur Jésus, c'est pour voler, détruire et finalement égorger. Parce que Satan a dit que Ngonganaye est comme Mouké. Soit Lingi, Ploupa Yabatu, Bakende, Nalifelo, Bakota na paradite. Et le diable sait qu'il lui reste peu de temps et il veut que nombreuses personnes n'aillent pas au paradis, entrent avec lui en enfer. Bien aimé, ce n'est pas tout être humain que tu vois sont humains. Ba semence ya sapon ba kotina mokili na biso depuis kala. Bana ya nyoka bazana mokili balati nzoto ya moto. Yesu abengi bango ba vipère. Jésus les a appelés vipères. Abengi bango soyez prudents avec des ba lourd ba vipère na nini ba bois ben bango même ba bois azo utilisé ba terme moana il parle des êtres humains mais qui ne sont pas vraiment à 100% humains. Et Jésus les appelait vipères, loups ravisseurs, chiens. Pourquoi utiliser ces termes? Parce qu'ils sont humains comme nous le voyons, mais ne sont pas réellement humains. Agenda na bango. Ils ont leur agenda depuis longtemps. Et ils l'accomplissent à petit feu. Dieu a créé son monde qui était très bon. Mais cette sémence-là, il y a Lucifer. est venu amener la mauvaise herbe. Dans Matthieu chapitre 13 à partir de 24, Matthieu chapitre 13 verset 24, version Darby. Il leur proposa une autre parabole disant: le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui s'émet des bonnes semences dans son champ. Okay. Verset 24 Lingala. Yesu abeteli bango lisapo mosusu alobi. Boyoka ndenge bokoti ya likolo ekozala. Ezali lokola moto moko oyo akonaki mbuma ya malamu na elanga na ye ya blé. 25. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et s'aima délivré parmi le froment et s'en alla. Alléluia. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aima le mauvais semence. Au monde babengango pas bon semence, mauvaise semence. OK. Lingala verset 25. Mokolo moko na butu tango bato nyonso bazalaki na pongi monguna ya moto wana ayei. Akoni matiti ya mabena elanga bongo akei. Yokana na ebandeli na verset 24. Il a proposé une autre parabole. Alobi, il en est du royaume des cieux que un homme qui avait semé du bon grain dans son champ a semé semence ya malamu ya mabete. Mais si tango batu bazolo la denge mokili bazana pongi na minito na zoloba e belé ya batu na ba Christ belé do bazola la pongi ya molimo il ne connaît ni gauche ni à droite l'ennemi aye a semé ennemi aye a kotsi mauvaise zambe a loni semence ya malamu ennemi aye a loni semence mabe. Dieu a semé la bonne semence, mais l'ennemi est venu. Pendant que nombreuses personnes dorment encore, dorment spirituellement, l'ennemi est venu, il a semé de la mauvaise semence. Et n'oublie pas, Jésus a dit, quand les gens dorment, l'ennemi vient s'aimer des mauvaises semences. Et pourquoi ça l'a été? Continuez la lecture. Lingala verset 25. Oui. Mokolo moko na butu. Tango bato nyonso bazalaki na pongi monguna ya moto wana ayei akoni matiti ya mabena elanga bongo akei. Verset 26 version Darby. Et lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Lingala verset 26. Tango mbuma ebimi ble ekoli matiti ya mabepe ebimi. 27. Et les esclaves du maître de la maison s'approchèrent de lui et dirent: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a délivré? Verset 27 Lingala. Basali bayei kolobela na kolo ya elanga. Tata, yo kona kimbuma ya malamu na elanga na yo. Bongo matiti o ya mabe euti wapi? Amoni. Tu vois? En parabole, hein? Jésus parlait en parabole. Jésus est en train de parler ici par cette verset, Matthieu 13, 24 jusqu'à 30 en parabole. Et il a après expliqué, il a interprété son parabole. Verset 24, continuez. Verset 28. Oui. Il leur dit: un ennemi a fait cela. Voilà. Et les esclaves lui dirent: veux-tu donc que nous allions et que nous l'accueillions? Verset 28 Lingala. Ye azongi selibango. Ezali monguna nangai moto asali boye. Voilà. Bato ya mosala batuniye. Olingi to kende kolongola matiti ya mabe yango. 29. Et il dit: non, de peur qu'en ayant délivré, vous ne détachiez le froment avec elle. Verset 29. Ye azongi selibango te Voilà. Verset 30, version Darby. Laissez-les croître tous deux ensemble, voilà, jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirais aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie, voilà, et liez-la en bottes pour la brûler, mais assemblez le froment pour mon grenier. Lingala, verset 30. Botika yango nyonso ekola esika moko ti tango bokobuka mbuma. Bongo na tango wana na koloba na bato ya mosala. Bolongola liboso matiti ya mabe. Oui. Pe bokangisa yango maboke maboke pona kotumba yango. Voilà. Na sima bokotisa ble na ndako oyo na bomba kabiloko na ngai. Alléluia. So ngonga tokomi yango selon parabole oyo. C'est le temps que nous avons atteint selon cette parabole. Dieu a semé sa bonne semence dans le monde. Et depuis Tangoana, tous les deux, ils ont collé ensemble. L'ennemi est venu semer la mauvaise semence. Et depuis ce temps, les deux croissent ensemble. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup, il y a pas d'ensemble, la pongi, bazo yebateke. Ennemi aza la base ya makambo oyonso. Et le lobana nzambe min bazola la pongi, il ne savent pas que c'est l'ennemi qui est à la base de toutes ces choses. Jésus a vu tout cela. Yesu amonaki nyonso oyo. Asi a prophétisé yango. Asakola ki yango liboso. Et à la fin du temps, et dans souka na temps, il y aura de guerre. Des tremblements de guerre, des famines, banzala, des épidémies de maladies. Maladie ndenge na ndenge. Voilà. Alobi nyonso wana. Il avait tout dit. Ce n'est que le commencement. Alléluia. Amen. Mais ne soyez pas troublés. C'est toutes ces choses que nous voyons. Tout est déjà accompli. Pour nous prouver, l'heure de la moisson est proche. Selon Matthieu 24, verset 36, il n'y a que Dieu qui sait 36, 37. Mais avec tous ces signes-là. Bien que nous ne connaissons pas précisément l'heure, mais nous savons que l'heure est déjà proche. C'est notre devoir. Alléluia. Amen. Maintenant, tu as la réponse, interprétation selon Jésus. Abaniko interprété azopesa réponse ya l'ICC oyo apesi bango interprétation ngo qui est très claire. Nous allons lire l'interprétation de Jésus-Christ. Verset 36 Matthieu 13. Yeah, Tina 43. Nous lisons la version Darby. Alors, ayant congédié la foule, il entra dans la maison et ses disciples vinrent à lui disant: expose-nous la parabole. Expliquez-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Expliquez-nous. Nous ne comprenons rien. Tu parles en parabole, nous voulons découvrir ce dont tu parles. Voilà, continuez. Lingala, verset 36. Tango Yesu atiki batope alongwe azongi nandako. Baye kolinaye bapusani pene pene na ye. Bongo balobi. Limbole la biso lisapo ya matiti mabe ya elanga. Limbole la biso lisapo ya matiti mabe. Ya matiti mabe to lingto e bandeko. Baras ya serpent bangonde ba matiti mabe wana tokomona interprétation ba koteli mokili. Bangonde bazu bokonzi ya mokili. Bangonde ba dictateur invisible. C'est cette race-là que Christ appelle livrée. Véritable agent des quartiers généraux du mal. Ils ne vont rien faire pour la bonheur et aimanter les assommants pour le malheur. Continuez. Verset 37, version Darby. Et lui répondant leur dit, celui qui sème de la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Jésus. Verset 37. Notre Dieu, notre Sauveur. Mais l'ennemi a eu à BBC. Et nyonso ezokola depuis tous ces temps toza kokola na ba semence ya munguna ennemi. Semence ozomona mutu aza mutu te aza semence ya satana. Baza bele ndeko. Et bazo combattre nyonso qui est de Dieu. Il combat tout ce qui est de Dieu. Loi zamba sali loi na bango pe basali ya bango. Dieu a établi sa loi, il crée leur loi. Tout contre la loi divine. Et Balingba réduit la population parce que Zambalobi remplissait la terre, Balobi réduisait. Dieu a dit que l'homme se marie à la femme, mais eux disent que l'homme se marie à l'homme, la femme à la femme, et même l'humain se marie à un animal. Et Dieu dit de remplir la terre et décide de réduire le nombre de l'humain. Dans l'image de l'église, Nabiso dengue moisi abali mboa, ache agneau mboa, ba j'irai salmon, je serai fidèle vers toi toute ma vie. Ok, dengue zawana, est-ce qu'il y a kobota? Non, ça fait partie et population mokili est réduite. Mobile na mobile babalani, ça fait partie vision que mokili est réduit population. Nyon subango basalaka, ils a contre loi ya Sambe. Et toutes ces abominations que nous voyons aujourd'hui, c'est contre la loi de Dieu. Ce sont des abominations vraiment, et ce sont des signes de fin du temps. Les apenza makambo ya mabekoleka, les abilembo ya suka na tanga. Ce que on retrouvé à tant que moisi na mobali, c'est le temps au repenti, c'est pas la volonté de Dieu, ça c'est la volonté satanique diabolique. Et là où tu me suis, si tu te retrouves dans une relation d'homosexualité, réponds-toi peu tes âmes au cano ya nzambete. Yesu a répondre bango. Continuez. Lingala verset 37. Yesu azongisi boye. Azongisi boye. Moto oyo akoni mbuma ya malamu ezali mwana ya moto. Mwana ya moto toyebiye komona Yesu Masia. Continuez. 38 verset Darby. Et les champs, c'est le monde. Voilà. Oyoki. Les champs oyo bazolo na semence, c'est le monde. Mbiso tuzana kati ya monde wana. Nous sommes dans ce monde. Et ba semence wana ba koti na monde deja baye bazu bokonzi penza. Et bazo linga ko baby ça parce que mission na bango eza ko baby ça. Et livré déjà là ils veulent détruire. OK. Et le champ c'est le monde. Oui. Et la bonne semence ce sont les fils du royaume. OK. Et livré ce sont les fils du méchant, les fils du diable. Sotozami balé tozo kola ensemble, les fils du royaume et les fils du diable. Mais bango yango alobi tozo combattre contre la mais contre les puissances occultes, contre les organisations sataniques spirituelles, contre les dictateurs invisibles qui voulaient diriger et contrôler notre monde. Les lots tovani nanagu contrôle. Aujourd'hui, à la maison. Nata masque contrôle. Pour voyager, tu ce que vous avez été vaccination, tu contrôle. Tout, ça le prouve. Ok. Lingala verset 38. Elanga ezali mokili. Mbuma malamu ezali bato oyo bandimi bokonzi ya likolo. Matiti mabe ezali bato ya monguna. Version Darby verset 39. Et l'ennemi qu'il a semé c'est le diable. Et la moisson, c'est la consommation du siècle. Ok. L'ennemi qui a semé. Et zanani, diable. Et moisson, tango bazo moisson, c'est la consommation du siècle. C'est-à-dire, soukaya mokili. Kobo sanate depuis lecture, nabiso la première fois, l'événement du fin du temps, na lobi na Matthieu 24, ba poser yesu question na verset 3, ba lobi. Quels sont les signes et la fin, la consommation du fin du temps? Et n'oublie pas, dès le début de ces messages, des événements de la fin du temps, je nous avais dit que dans Matthieu 24, verset 3, les disciples ont posé la question à Jésus. Dis-nous, quels sont les signes de ton retour ainsi que de la fin des temps? Et Jésus leur a répondu. Nous sommes à la fin. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Kozalate bato balobaka boy ba génération début tango ba Paul ba Pierre mais depuis tango ba Paul ba Pierre ba sin mususu tozomona neti eloko bazo kotsa na loboko abatu ndenge Bible lobi na Apocalypse chapitre 13 verset 16 et 17 nanu salamate mais bandi déjà na génération na biso toza génération oyo toza privilège komona faire de ces histoires de ces choses. Et ne dis pas comme les autres qui disent, mais depuis le temps de Pierre et Paul, on nous disait toujours que la fin est proche. Non, c'est vrai, ils disaient ça, mais ceci n'était pas accompli en ces temps-là. Mais en notre ère aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement de tous les signes prophétiques touchant la fin de temps. Et nous sommes privilégiés de voir la consommation du ciel. De la bête, on a nan to moni ango depuis tango aba Pierre, mais les lots ezoko kisama. Okomona ba kashne mususu ba komi 666. Bazo manifesté. Okomi ba produit mususu ba komi 666. Bazo mila kisa. Et salamana no tendeko na lengio lamuka toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Okokufate na kombo na Yesu Masia. Et cette marque de la bête au temps des apôtres, cela n'était pas encore accompli. Mais aujourd'hui, nous le voyons déjà s'accomplir. Même sur ceux qu'on porte comme cache-nez, il y a certains qui ont les signes 6, 6, 6. Lingotanga, continue. Lingala, verset 39. Oui, 39. Monguna oyo akoni matiti ya mabe ezali zabolo. Zabolo. Tango ya kobuka ble ezali mokolo ya suka. Voilà. Mokolo suka ya kobuka ble yango ya. Parce que l'obéi tikayon soba kola ensemble. Zambia ça au contrôle azomona. Tout monde asuka na bango bakola ensemble. Mais na tango moko na koya. Qu'ils puissent croître ensemble. Mais à un moment, je viendrai. Notre Dieu est au contrôle. Zambé nabiso azotala makambonios. Continuez. Verset 40, version Darby. Comme donc livré et cueilli et brûlé au feu, il en sera de même à la consommation du siècle. Verset 40, Lingala. Namokolo ya suka. Ekozala lokola tango balongola kamatiti ya mabe pona kutumba yango. Voilà. Verset 41. Ekozala bongo. Il en sera de même. Et matiti ya mabe batuma yango nini na moto. Et livré et consumé par le feu. Yango esprit ya batu oyo bandimi Yesu te. Bakozala nakati ya moto libela la libela na lifelo mais ba oyo bandimi bakozala na paradis elongo na parce que alobi yango clairement. Et ceux qui n'ont pas cru en Christ Jésus seront consumés éternellement dans le feu et ceux qui croient en lui seront au paradis comme il a dit. Cette parabole parle de fin de temps. Les événements de fin de temps. Si tu peux lire nombreuses versions pour t'enrichir, tu seras d'accord avec nous que cette parabole parle de la fin des temps. Verset 39. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 40. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Et non, c'est ça pour Nangaï. Verset 41. Verset 41, version Darby. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils cueilleront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Verset 41, Lingala. Oui. Mwana ya moto akotinda ba angelu na ye. Bongo na bokonzi na ye mobimba bakolongola bato nyonso oyo bakoyisaka baninga na likambo. Oyoki bakolongola bango tango akoya akosala séparation. Tango ba est-ce que tokolongola ngote alobete laisser tout bakola ensemble. Alobiango. Ici, dans la version Semalobi, le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tout ce qui incite les autres à pécher et ceux qui font le mal. Il va les éliminer. Et l'heure de la moisson a sonné. Je viens te dire, payons le prix qu'il faut. Répondons-nous. Revenons sur le droit chemin. Demandons à ce que le sang de Jésus nous purifie. Chaque jour. Demande à Dieu de te pardonner. Que ce soit pour une faute que tu ne connais pas. C'est-à-dire les péchés inconscients. Inconscients, voilà. Alléluia. Parce que le temps est mauvais et le temps est proche. Verset 40, Lingala. Voilà. Aha. 41. 42. Version Darby. Et ils jetteront. Lingala 41. Lingala verset 41. Mwana ya moto akotinda ba angelo na ye. Bongo na bokonzi na ye mobimba bakolongola bato nyonso oyo bakoyisaka baninga na likambo. Bakolongola bango. Peba oyo basalaka mabe. Peba oyo basalaka mabe. Continuez maintenant 42. 42 version Darby. Et ils jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Oh, bah regret. Graissement de Dieu, azo regretter. Voilà. Je prie. Et cause la partage na yunangaité. Cela ne sera pas notre partage. Au nom de Jésus. Yango il faut tous la aviser. Soyons avisés. Pour que nous puissions savoir. Comment nous marchons. Pour éviter des grissements de dents, des regrets. Pour oboya. Alléluia. Amen. Merci. Verset 42 Lingala. Oui. Voilà, l'ifelo. Yo kidenge ya lobi bien. Et si kabalela kape balia kamino. Balela kape balia kamino. Zambi. So kina yebi tango. Makamozana nutozana se awa na mokilo ifale na ubongsanzela na ifale na tambola boe ifale na tambola na droiture oh zambe nazo monango blague uzokande iza blague te oh non parce que écoute-moi je vais dire quelque chose ça s'escrade ici l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit. L'homme est esprit. Nous autres, est différent. Ce corps est différent. C'est ce corps qui est l'enveloppe de l'esprit. Quand vous voyez les morts, mais l'esprit est confité. L'esprit n'est pas mort. L'esprit est longué. L'esprit a quitté. Le corps est enterré. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? So, l'esprit vit éternellement. Le lengi au menevi na yo awa iko déterminer biskani ni okozala soit na l'ifelo soit na paradis. Tel que tu mènes ta vie déterminera où tu seras. Aussi longtemps que tu es vivant et osana souffre, osana chance ya ko corriger makamu na yo, c'est pas encore trop tard. Aussi longtemps que tu es vivant et que tu as le souffle, tu as encore la chance de corriger ta marche. Yango, c'est le temps. Parce que ngonga ya moisson ezopusana. L'heure de la moisson s'approche. C'est ça. Verset 43. Verset 43, version Darby. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Voilà. Qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 43, Lingala. Oui. Natango wana. Bato oyo bato sakanzambe. Bakongenga lokola moyi. Amen. Na mboka ya bokonzi ya tata na bango. Alléluia. Moto azali na matoi ayoka. Moto azali na matoi asala nini ayoka. Bien aimé, tokomi na ngonga ya suka. E yango wana nazo talisa biso makambo oyo. Parabole oyo na Matthieu 13 eza parabole oyo eza kotalisa génération na biso. Et ce qui se passe à ces moments. Voilà pourquoi je tire la sonnette d'alarme sur cette parabole qui nous fait voir ce qui se passe en ces temps-ci. Bandeko tozala éveillé. Bien-aimés, soyons éveillés. La race du diable contrôle le monde aujourd'hui. Ceux qui adorent le diable contrôlent le monde aujourd'hui. Ce sont des personnes invisibles que vous ne voyez pas souvent. Ce sont eux les décideurs du monde. Des dictateurs invisibles qui voulaient contrôler et régir notre monde. Tout ce qui arrive aujourd'hui, ce sont eux qui en sont la base. Même cette technologie, c'est pour accomplir leur mission de contrôler et régir. Alléluia. Amen. Ils s'opposaient à tout ce qui est Dieu. Quand Dieu dit ceci, il faut que vous connaissiez toutes ces choses. Aujourd'hui, Apocalypse 13. Nous verrons que ce qui est écrit s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Lisons. Cette technologie. Contre la lumière, les enfants de Dieu. Tout ça, c'est pour les contrôles. Ezalaba, téléphone, internet, oyo, tout. Ce sont des instruments oyo, eza fabriqués pour contrôler mokili. Ko domine mokili oyo zambia sala baraswana basi bazvandi e bazo sala makambo mais ebele ya bana nzambe bazakidiba. Tout ce que nous voyons aujourd'hui comme avancée technologique, ce n'est pas pour le bien-être de l'humanité, c'est juste pour contrôler le monde et régir. Mais malheureusement, nombreux enfants de Dieu ignorent. Apocalypse 13 tozotanga. Nous lisons Apocalypse chapitre 13. Naningi totanga verset 1. Lisons le verset 1. Apocalypse chapitre 13 verset 1er. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Alléluia. Amen. Ce qui oyoki mer na Bible selon interprétation isola que ça peuple. Quand vous voyez la Bible parler de la mer, c'est là, c'est le peuple. La mer parle du peuple. Les 10 cornes, c'est 10 rois. Voilà. Ou 10 royaumes. To bokondi zomi. Révélation dans Apocalypse, Daniel chapitre 7. Cette révélation que nous lisons dans le livre d'Apocalypse, c'est aussi dans le livre de Daniel chapitre 7. Ok, continuez. Sautez. Lingala tangaya. Lingala verset 1er. Bongo na moni ni amamoko ebimi na ebale. Ezalaki na maseke zomi pe mitu sambo. Alléluia. Na liseke mokomoko. Naliseke mokomoko elati ekoti ya bokoti. Maintenant, tu sautes verset 4, après tu quittes verset 7 et 17. Verset 4. Version Darby. Et il rendit hommage au dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et il rendit hommage à la bête disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Verset 4, Lingala. Sauter, verset 16. Verset 16, version Darby. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 16, Lingala. Bongo nyama oyo etindi bato nyonso na makasite bazwa elembo na liboko ya mobali to na elongi. omoni na makasi ngonga izo ya ekoma na makasi par force yango babengi bango ba dictateur invisible ezala bato minene to bato pamba bato ya bomengo to ba oyo bakelela voilà ekoma par force. Pour te dire, nous sommes au temps de la fin. Verset 17. Verset 17, version Darby. Et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, voilà, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà. 17 Lingala. Voilà. Soki ezangi elembo yango voilà. Tokombo ya nyama tope talo oyo ekomami na kombo na yango. 18. Verset 18, version Darby. Ici est la sagesse. Ici est la sagesse. Et celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Voilà, Azamoutou. Et son nombre est 666. Celui qui le représente se manifestera à un moment. C'est tout un système. Continuez. Lingala verset 18. Makambo oyo ezali kosenga mayele. Moto nyonso oyo azali na mayele akoki koyeba tina ya talo ya nyama pamba te talo yango elakisi moto talo na ye ezali 666 yoki talo na ye elakisi moto talo na ye ezali nini 666 so eza système c'est un système alléluia amen na lebisi batulobi na obi soki ozui écran soki bobe yango nini ya téléphone na yo. Si tu prends le clavier de ton téléphone, le pavé numérique de ton téléphone, tous ces signes-là, eza parazate, eza loko ezotali sabiso ke ngonga wana tenge bibe la esakola kike okomona sign na 666 esi ebeti technology oyo nyonso eza kaka pona kokokisa nini na bango ya tango ya suka. Omoni clavier na yo obeti 1 + 2 + 3. Oyozo itse ko composer numéro abatu. 1 + 2 + 3 epesi o 6, chiffre 6. OK na oyo elandi 4 5 6. Epesi yo combien de chiffres 15. OK? Obeti yango 1 + 5 epesi chiffre nini 6. OK na troisième 7 + 8 + 9. Obeti yango ekopesa biso combien 24. Obeti 2 + 4. Et puis ce chiffre est 6. Oh, total, c'est 6, 6, 6. Et des deux, par cache ne moussous au moni, à réseaux sociaux, imprimé 6, 6, 6. Mathieu 6, 6, 6, Libosonango. Moutouka Obama a utilisé Natanonae, Balobi la bête, Bapesé en combo en Akaka. So, tous ces signes, on n'a jamais vu ça. Il y a une génération, il y a Paul, il y a Pierre, mais les lots ayés. Et batu babani kozwa deja eloko wana Bible lobi bakozwa na maboko kaka dengi alobaki et c'est bandi. C'est pour te dire mon bien-aimé nous sommes à la fin. Ngonga ya moisson ebeti. Yango na sambelike yo kotikalate na kotikalate. Voilà pourquoi on doit faire le nécessaire avant ezala trop tard. Je prie pour toi que tu ne resteras pas, moi aussi je ne resterai pas, car tout ce qui a été prophétisé dans ce livre s'accomplit déjà, même la marque de la bête. Voilà pourquoi nous devons être avisés avant qu'il ne soit tard. Il y a de ces choses qui arrivent. Tel que nous continuons à avancer, l'humanité va perdre son liberté totale. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier. Le temps de son retour est proche. Malgré qu'on ne connaît pas actuellement quand, mais les signes nous montrent que le temps est très, très proche. Dans Matthieu 24, verset 36, version Simon Atangi alobi quand au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul. 37. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Et qu'on se prend de battre. Mais bassin, tout ce qui est presque tout, déjà, la coco qui s'appelle. Bilemonion, so oye moko lobaki, et sili coco qui s'appelle. Kasimo kolo yango. Motoye bité, makambo kosala makaka na tango ya Noé, okobala okokende feti, okosala nyonso, kasi ye akozonga. Yango ndeko c'est le temps to porter, to manifester fruit ya ba milimo santu. Bonga yango yo to bota bambuma ya molimo mosantu pe mokilie mona yango. Alléluia. Amen. Parce que le temps passe. Voilà, je conclus par les mots de Paul, Éphésiens 5:14, qui est bien aimé. Réveille-toi qui dors, parce que les temps sont mauvais. Je prie pour toi qui me suis. Que la puissance du Saint-Esprit te vienne en aide. Que tu changes de style de vie. Le lingue ozo tambola. Que tu changes ta conduite. Obanako tala dengeni ozo menevina. Que tu commences à observer ta voix. Nasambeli. Je prie. Le Saint-Esprit qui est notre aide divine. Molimo santo azali sungi na biso. Asungayo. Il puisse t'aider. Nangonga tokomi oyo. Autant que nous avons atteint. Nakombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus Christ. Nampameli toute faiblesse spirituelle. Nampameli bolembuni oso ya molimo. Na déclaré. Je déclare. Esprit na yo elamuka. Que ton esprit soit éveillé. Au nom de Jésus Christ. Nakombo na Yesu. Vie spirituelle elamuka. Que ta vie spirituelle soit éveillée. Nakombo na Yesu. Au nom de Jésus. Atadenge ozo lananga na minito. Que tu me suis partout tu es sous le soleil. Tu es malade. Tu souffres. Je déclare tu es guéri et délivré. Jésus t'a guéri au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. J'espère que pour Pambolami. Je pense que vous êtes bénis. Pour les téléspectateurs, soyez branchés, soyez connectés. Nous continuons. Et n'oublie pas, c'est chaque mercredi à 10h, chaque vendredi à 17h, chaque dimanche à 7h. Après cela, la redivision est allée. Vous avez un témoignage. Tu as un témoignage. Envoie-nous vidéo na WhatsApp. Une vidéo même pour te partager pour Zambé afin que Dieu reçoive toute la gloire que Jésus est vivant et que le monde sache que Christ est vivant. Que Dieu vous bénisse. Zambé, je vous aime au nom de Jésus Christ de Nazareth. Ciao. Les temps de témoignage. Allô, bonjour papa Dayo. Ezanga mwana no moko nazaki na kati ya sécurité. Sœur Nana naza siko na Belgique. Eh nangi na pesa nzambo yo merci na oya salela kinga na butu ya lundi kokota mardi. Ça faisait moi quelques jours. Na landa qui pas prédication té alors on a boutou tellement pongi zo ya té mon ba makanisi ba makambo epele nazaki déjà na mbeto na kakata boutou makanisi elinga na landa ba prédication na continue ba prédication na pona qui té directement na koya qui na prédication té sur manteau alors na bandi na ngako landa na simbe téléphone nanga nazaki na mbeto na té téléphone na zo landa Et puis, tant que vous avez déclaré dans ce cas, bon, vous avez déterminé ce qui est beaucoup moins côté les messages qui étaient dans le soir. Et là, on a utilisé le téléphone en le manteau. Papa n'a pas si autant qu'on déclaré, on voulait mon côté linga n'a pas dit qu'on parle ou qu'on a mis tout n'a pas dit qu'on parlait en langue. Donc, dans mon toit qui peut mener à paniquer, donc n'a pas dit qu'on parle ou qu'on a parlé et pourtant. On parlera du sous en langue, donc ça fait moi et Mikole Bélé. On dit moi Simba Kinga na zoa ki kimia moko na pesi nzambe merci. Siko pena na zongi le kolanda ba prédication na nga bien bien. Nzamba pambola o papa o mela li sous vraiment et na ebi ke ba attente na nga makam nango na zozela avec nzamba dayo e ratarate na ko simba ngo pe na ko tatola na kombo na Yesu. Merci papa. Letela Yesu maboko makasi. Bonjour Papa Dayo, bonjour Église Fine, moi c'est frère Merdi Sindano depuis la France. Na komisi nzambe parce que alobara nzela ya basali na e vraiment. Lundi le 13 mars nazalaki na ndako na yoka mwa mutu pasi. Na kipia na ngote na monera vezaki ndeye. Moi, même à quand c'est un des tout chauffage, c'est normal. Mardi, et qu'on s'est répété. Mardi à l'objet les 14, et qu'on s'est répété. Et ça m'a là-bas ventre, et normalement, là-bas ventre passé, mon tout passé. La première où ça la fièvre. Et la mêlée petite cité. Les lendemain mercredi, les 15, tant on a zota la prédication à Papa Dayo, tant on a celui-ci, à petit parole connaissance à lui, yon tozola dangai. D'autres dérangeants qui ont pensé à eux et comment ils pensent ou comment ils pensent moi et ma bille. Nous avons eu des longs là pas pensé à na. Oh mon takani saka na si amonte manae nde oh isalami lakai. Tant na yo qui parole wana et toucher ngai. Na lobi ah oh papa dayo a lobi penza na ngai. Pour ngai là pas pensé na ngai na comment d'ailleurs penser non le coronavirus est régné en France. Donc, ça peut être coronavirus, et puis on a eu un message à Papa Dayo. On a eu un Papa Dayo à l'oubli, quand on a mis au prier, on a eu le beau qu'on a imposé, on a eu un Papa Dayo, on a eu le téléphone. Et directement, on a eu le prier, quand on a senti un tout passé qui donc fièvre ici. Na beti autour libanda mali les asouté donc nzambe abiki singa pinza yango na tindi témoignage pour nzambe aza vraiment merveilleux aza vraiment mnene letela Yesu maboko makasi. Zikana prophétiser na vie na les jours de chaque chrétien va savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. Je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe à partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission invisible. Na yoko kotsa yo na ligne ya batu ba isapa makambo ya tenyewa.